Salut à toutes et à tous, c'est Raikou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2015, la dernière vidéo de notre Paris-Nice, avec toujours l'équipe Katusha dans le cadre de notre carrière. Donc voilà l'étape qui nous attend aujourd'hui, la sixième étape de 135 km, donc une étape vachement accidentée, et la dernière étape accidentée, je pense, c'est ça, avant le contre-la-montre qui sera aussi dans cette vidéo. Donc petit rappel sur qu'est-ce qui se passe, c'est Simon Spilak qui domine le classement général, enfin domine, entre guillemets, avec 11 points d'avance sur Geraint Thomas, 30 secondes sur Rui Costa. Ilnur Zakarin est notre deuxième coureur le mieux classé, 11ème à 7 minutes 25, donc vous pouvez voir qu'il y a des gros écarts quand même. Au niveau du classement de la montagne, c'est Thiago Machado qui a le 60 points, 11 points d'avance sur Francis Moret. Autant vous dire que je vais essayer de l'envoyer dans l'échappée aujourd'hui pour qu'il gratte le maximum de points. Peut-être ramener le maillot de meilleur grimpeur de Paris-Nice. Et peut-être essayer de faire la même chose sur Tirreno pour faire le doublé, ce serait pas mal, tiens. Et au classement des jeunes, bien évidemment, Wilco Kelderman, hein, le grand espoir néerlandais. Au classement avant-course, c'est Rui Costa qui a 1 point d'avance sur Kiato et 3 points d'avance sur Spilak. Et du côté du classement par équipe, c'est la Katusha qui a 2 minutes d'avance sur la Sky. Donc sur ce, moi je vous dis à tout de suite in-game, donc on va se retrouver là hein, avant le col première catégorie. Sur ce, à tout de suite. Et on se retrouve en jeu pour cette sixième étape entre Lamur et Gap. Donc je pense que le dernier col, j'ai même pas vérifié, mais ça doit être le... Ah bah non. Comment il s'appelle? Le col de Mans, j'aurais pensé, parce que généralement le col de Mans c'est escaladé hein, quand on arrive à Gap, mais c'est pas le cas. Donc tant pis. Donc vous pouvez voir là sur le profil que Thiago Machado a 26 minutes d'avance sur le peloton. Pourquoi a-t-il 26 minutes d'avance sur le peloton? Bah tout simplement, je suis leader du général avec Spilak, et ce qui se passe c'est que j'ai attaqué dès le pied, mais dès le pied avec Machado, parce que vu qu'il a un maillot distinctif, et bah il était devant quoi, donc j'ai attaqué dès le pied de ce 3ème catégorie, personne n'a suivi, j'ai pris 2:30, 3, 4, 5, 6 minutes d'avance, et puis là il y a Brice Feilloux qui a attaqué, et Brice Feilloux qui est revenu sur moi genre ici, quelque... ouais genre, non, genre ici là, parce que moi je l'ai, enfin j'y ai attendu, je roulais à 50 quoi. Et après, d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas vu de chute ni rien du tout, mais il a craqué totalement. Pff, jamais été capable de revenir alors que je roulais à 60. Je me suis dit, oh bon, je vais pas l'attendre. Hein. Et derrière, qui s'est passé dans le col première catégorie, ils ont essayé d'attaquer pour aller prendre les points, etc. Donc d'abord, c'est Lobato qui a attaqué, et ensuite, on a Mouret qui a attaqué avec El Fares. Mais là, ce que je viens de voir, c'est que El Fares, vous allez le voir tout de suite, vient de chuter. Donc, et derrière, le peloton, ça roule pas, parce que c'est moi qui... Enfin, si, maintenant, ça roule, mais... Parce que c'est moi qui suis le leader du général, donc Machado va sans doute remporter l'étape sans aucune difficulté et faire un très bon rapproché au général. D'ailleurs, on va un peu l'accélérer dans cette ascension là. Il faut le mettre à 65. Donc on va pas trop le gérer lui. Hein. Et voilà, il est presque leader du général. Hein. Il est dans le top 5 provisoirement même. Hein. Donc maintenant, c'est les Giants qui se mettent à rouler parce que la place de Tom Dumoulin est en danger. Mais franchement, pourtant ça a roulé. Hein. Les lotos roulaient. Il y avait les. Dimension Data qui roulait. Mais on continue à prendre de l'avance. Enfin, je continue à prendre de l'avance. Normal. J'avais du mal à comprendre ce qui se passait en fait. Voilà, Machado qui a largement assuré son maillot à poids. Hein. Pas de soucis à ce niveau-là. Hop, on va juste rapprocher tout le monde, tout ce beau monde devant. Certaines équipes au niveau de Geraint Thomas qui est notre principal rival, hein, tout simplement. Ça serait bien si on arrivait à lui reprendre du temps aujourd'hui. Sincèrement, ce serait très bien même. Que Machado arrive au sommet, on va même le monter à 70. Hop, voilà. Je pense qu'on peut le laisser à 70 jusqu'à la fin de l'étape, 17 km, il y a la descente. Voilà, Machado qui est au sommet, qui a passé son 4ème col de la journée en tête. D'ailleurs, ça s'est rapproché à 25 minutes, mais rappelons que le 10ème du général, il est à 6 minutes 53, donc il y a de grandes chances pour que Thiago Machado reviennent dans le top 10. Enfin, reviennent, entre dans le top 10 plutôt. Donc là, j'ai le temps d'aller chercher les bidons. Difficile à dire. On va demander à l'Osada qui va abandonner sa protec. Hop. On va dire à Morkov de protéger Spilak. On va mettre en focate. Est-ce que l'Osada a le temps d'aller chercher ses bidons? Je crois pas. Parce que là, il y a le premier faux plat. Et déjà, ça roule très très fort. Qui c'est qui roule comme ça? Ferli qui sprint presque. Le panneau des 10 derniers alors que Machado est dans la session. On va même le mettre à 85, hein, je pense. 86. Là, ouais, ça roule très très fort. Il faut pas se faire avoir.
Je crois, ouais, c'est mort pour le Sada, d'accord. Donc alors, on va voir comment ça se passait. Je pense pas qu'il y ait d'attaque dès ce call, mais c'est pas rien n'est moins sûr quand même. Alors que là, je me fais magnifiquement bien bloquer par Tom Villers, merci beaucoup. Dont 58 en montagne, qu'est-ce que tu fous là encore? Oula, Rui Costa qui se rapproche, Geraint Thomas dans la roue, David Etchimolai qui met un rythme énorme là. Pourtant, le sprinter de la Lampre, hein, le jeune espoir de l'équipe italienne. Et là, ouais, franchement, on peut aller à bloc, j'aurais pu accélérer plus avec Machado. Hop, parti, car GPS 23 minutes. Nos coureurs sont devant. Bon, ce qui se passe, Orkov est mort. On va dire à Vorganov ou Tchernitsky. Vorganov de protéger Spilak. On va voir que Zakarin s'est fait bloquer, donc forcément, c'est pas cool. Un Niemec là qui fait tout péter, mais alors là qui fait tout péter. Zakarin qui a du mal à s'accrocher. Un Niemec là, plus que 25 coureurs devant. Oh là 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 là. Ça roule très très fort. Ouais, Machado, hop, voilà, on va regarder sa victoire. Sprint, il sprint, Machado. Et c'est la victoire du coureur portugais qui s'offre le maillot à poids. Et là, provisoirement, il a 21,46 d'avance. Mais je pense que, ouais, on verra bien. Ok, donc c'est bon, ça c'est revenu, le peloton est revenu, Losada, lui, ne reviendra pas, parce que là, il va y avoir des cassures, c'est sûr. Même si Markov pouvait ramener des bidons, ce serait pas trop mal. On va voir s'il peut le faire. Bientôt Brice Feillu qui va passer la ligne avec 6 minutes de retard, oh là 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 là. Des écarts monstrueux sur cette étape, clairement, hein. Peu ridicule. Oula, alors ça y est, on est au pied. Ok, donc bah tant pis pour les bidons. Vorganov va protéger Jernis qui va protéger Ndungu qui va protéger Zakarin qui va protéger Spilak. C'est parti pour Spilak. Go go go. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont pas. Ok, c'est parti. Rude. Ils ont tous attaqué. Costa, etc. Alejandro Valverde est parti dans un compte. Bon, eux, on peut les arrêter parce qu'ils ne seront d'aucune utilité. Allez, il faut y aller, Spilak, là, protégé par Zakarin, ça c'est pas mal. Allez, il faut tenir bon. Zéro de forme du jour. Costa qui prend la roue de Valverde, qui réattaque. Costa qui est très très fort. Hein. Costa qui est très très fort, qui nous lâche, malheureusement. Même si c'est pas forcément lui, notre plus grand adversaire, c'est plus un Geraint Thomas. Qu'on va essayer de lâcher avant le sommet, peut-être. Si on y arrive. C'est Katowski qui est dans notre roue. Oh, Geraint Thomas est lâché. Geraint Thomas est lâché. On va faire la descente à bloc. Kiatowski qui fait la descente pour nous. Bah, parfait. Nous, on va se mettre là. Et si on arrive à s'accrocher. Parce que Kiatowski descend très 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 fort. Hop, on prend le gel. Non, on va finir. Ouais. Hop, c'est parti. Ça va être parti pour le sprint là. On va se placer devant. Commence à sprinter maintenant parce qu'on est dans la descente. Hop. C'est parti, ici là qui lance son sprint. Hop, on va se faire niquer à la fin sur le sprint, mais c'est pas grave. Ici on finit devant Kiato et c'est bon. Ok, donc je sais même pas combien de l'étape parce que tellement il a d'avance que. Oh, Keren Thomas qui finit juste derrière. Ah merde. Ah, Tony Galopin qui a emmené Thomas. Ah, ça c'est pas cool ça. Ça c'est pas cool du tout. Un Garderun qui finit avec. Ah, j'aimerais bien qu'il y ait un petit écart de comté quand même là. Ça serait sympathique, on va voir ça. Donc, Tony Martin règle le groupe devant Boissonhagen. Ouais, ouais, ouais. Clairement, j'aimerais bien qu'il y ait un petit écart. On va voir la remontée de Machado, surtout, parce que ça doit être très impressionnant, je pense. Bon, là, on y a les derniers coureurs qui arrivent. Machado qui va... Ouais, peut-être rentrer dans le top 10, même. Le Machado qui avait attaqué dès le départ. Voilà, ouais, à la page des résultats. Oh, victoire de Machado, et en effet... Et est-ce qu'il y a un écart de comté? Et non. Et non, Geraint Thomas qui finit dans le même groupe. Donc il y en aura 11 secondes avant le chrono final. Ça va être très compliqué. Très 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 compliqué. Très compliqué de le battre. Donc on peut voir que Thiago Machado se retrouve 11e alors qu'on est deux devant nous. Olivier Naesen et Fabien Grelier. Donc on peut voir que Thiago Machado qui fait la bonne opération et se rapproche 11e alors que Tom Dumoulin lui perd... perdu 1 minute 30, donc c'est définitivement fini pour Tom Dumoulin, lui qui était encore un no-rivo. Hein.
parce que une minute, il était encore une 15 qui était pas très loin pour Tom Dumoulin, on rappelle, avec son 82 en contre-à-montre, mais là 2,50 c'est trop loin. Donc clairement notre seul adversaire ça va se résumer un duel entre Geraint Thomas et Simon Spilak. Derrière bah, on aura une belle lutte hein, pour le top 5. Et notamment Machado qui peut-être espérer rentrer dans le top 10, même si ça va être compliqué hein, contre Wilco Kelderman qui est un très bon coureur de contre-à-montre. Et Ignor Zakarin qui est désormais 13ème du classement général. Il s'est fait dépasser par Thibaut Pinot et par Machado sur cette étape. Donc on se retrouve tout de suite pour cette 7ème étape, bah, environ là. Là il y a une petite bosse, donc tiens, on va se retrouver là. Hein, une étape totalement plane à la fin. Donc réussite de cette étape, bien évidemment, l'acquisition du maillot à poids par Thiago Machado. Donc moi je vous dis à tout de suite pour cette 7ème étape. Changement de stratégie, je vous reprends plutôt à 36 km. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de vent. Et là, du vent de côté, trois quarts face. Et donc, vous pouvez voir que les Cofidis roulent à bloc. Et résultat, ça fait des bordures. Regardez-moi ça. On va voir. Juste regarder où est Geraint Thomas. Donc, il est avec nous. Ok. Qui risque pas de se faire lâcher. Hein, lui qui a l'habitude de courir les Flandriennes. Voilà, 80 en pleine. S'il se fait lâcher, ce sera quand même la fin du monde. Donc, on peut voir qu'il y a des cassures qui se sont créées. Voilà, Thibaut Pinot, par exemple, qui est pris dans une cassure. 39 coureurs ici. On va voir, essayer de voir qui est-ce qu'il y a. Racing. Lobato. Tony Martin qui est alors qu'il aurait pu revenir dans le top 10 peut-être. Emmanuel Hervitti qui fait une très belle performance sur le Tour des Flandres. Qui est-ce qu'on a d'autre? Miguel Angel Lopez qui est lâché là ici, 17ème. Warren Barguil. Ouais. Puis vous voyez, c'est des groupes en groupe, on va voir ce qui se passe devant. Est-ce que Spilak est bien protégé? Oui. Voilà, 59 coureurs qui se sont détachés du coup. Continue à rouler là. Stéphane Rossetto qui roule très très fort. Donc là, j'ai fait en sorte que mes coureurs ne se fassent pas lâcher, hein, clairement. C'est l'objectif. Excusez-moi. Donc Wagner va se faire lâcher. Tsuruka aussi avec. Voilà, sur les bords de mer là, on arrive à Cannes hein, pour cette étape. 1 minute 30 pour l'échapper. Je pense que le peloton roule tout simplement derrière l'échappée. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Losada est mort. Comme pas mal de coureurs aussi qui sont dans ce groupe. Quand Vorganov sera mort, je mettrai quelqu'un d'autre en protection. Quelqu'un qui a une bonne note en pleine. Parce que. Ouais, non, je vais peut-être faire ça tout de suite. Mettre Chernetsky en protection sur Spilak. Et Vorganov, tu peux finir en roue libre. Voilà. Qu'attention là, il faut pas se faire piéger par ces coups de bordure. Spilak qui est un peu reculé, ça me fait peur tout ça. Van Poppel qui protège son leader, Geraint Thomas. Allez, Spilak, il faut tenir. Il faut tenir. Donc peut-être que ça peut avantager Markov, hein, ses coups de bordure, etc. Pour le sprint, on va bien voir. Ouais. Plus que 44 coureurs dans ce groupe. Des coureurs qui se font lâcher un par un. Clairement. Son Petr Vakoč qui roule, qui s'est révélé cette année là sur les classiques sur Dardèche, etc. En remportant deux belles victoires, enfin je crois. Ou alors boucle de l'eau. Je sais plus ce que c'était comme course, excusez-moi. Kittel qui est à l'arrière du groupe. Attention. C'est ce coéquipier Vakoč qui roule. Oula, si Stibar vient se mettre devant, ça va faire mal, je pense. Faut pas qu'il y aille. Allez, Spilak, il faut que tu tiennes. Chernetsky qui est bientôt mort. Personne ne veut rouler. Ah si, Stibar y va. Oulala. Oulala, Stibar qui va aller rouler. Attention, vent de face, ça va, c'est tranquille. On a un leader qui se fait lâcher. Enfin, un sprinter, Sbaragli. Et derrière, toujours les mêmes coureurs. Ouf. Il me fait peur, Stibar. T'as envie de dire qu'il me fait très très peur. Qui roule comme ça là. Kittel qui a du mal à le suivre parce que ça monte un peu. Voilà, c'est la petite bosse que je vous avais dit ici. Chernetsky qui va bientôt être mort. On va dire à Vandenbroek de protéger Spilak. Chernetsky, tu peux finir tranquillement. Voilà, on va le mettre comme ça à 30. Allez, Spilak, il faut tenir. Markov, tu vas te mettre dans la roue 2. Où est-il ? Kittel, il est mort, d'accord. Dans la roue 2.
Nasser Bouani, je pense que c'est. Le rythme imposé, ouais, c'est Nasser qui est là. Je me demandais parce que j'ai fait une erreur avec son frère, alors que l'échappé a quand même encore. Ouais, 1 minute 28 d'avance. Je les ai pas présentés, mais on va juste aller voir Oscar Gatto, Jonathan Hiver et Cyril Gauthier qui sont échappés un peu. Derrière, on a Littart, Ladan News, Chevrier Di Gregorio qui sont morts. Alors que là, on est carrément plus que compté en échappé. Ah non, c'est bon. Morkov qui a pris la roue. Ok, donc alors, ce qu'on va faire. Ah, je sais pas. Machado est mort. Machado va se faire lâcher. Zakarin risque de se faire lâcher aussi. Spilak qui fait la résistance, hein, parce que là, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Laisse mettre dans la roue Morkov. Parfait. Dans la roue de Morkov. Alors que devant, ça accélère. Et je vais donner les trucs parce que sinon, ça peut passer. Attendez, je vais peut-être essayer de lâcher des gens. Sacrifier Morkov. C'est parti pour Morkov. C'est parti pour Morkov. On va essayer de le mettre high for curseur maximum. Non, c'est le sprint. C'est parti pour le sprint final. Qui va être Allez, ça a lancé le sprint. Van Poppel qui lance. Ah, je pense que ça a pas marché mon truc, mais bon, j'aurais tenté au moins. On a l'air de ce qui va. Guérin Thomas qui lance. Devant, qu'est-ce qui se passe? C'est Jonathan Hiver qui a attaqué et qui va sûrement aller s'imposer au détriment de Oscar Gatto. Voilà, qui s'impose à Cannes. Jonathan Hiver, bien joué. Il le mérite. Hein. On se rappelle, c'est. Je me rappelle notamment pour Jonathan Hiver de sa chute, hein, dans la descente vers Pinerolo, au même endroit que Thomas Voeckler dans la cour. Français, hein. Simplement, si vous en rappelez. Alors que là, Spila qui va finir dans ce groupe, parfait. Ouais, il en fallait pas trop, hein, parce qu'on sait que Dumoulin et Thomas sont très forts en play. Plus que 14 coureurs qui arrivent là, donc on va regarder qui arrive. Morkov qui arrive là, Osler. Kelderman qui est dans ce groupe. Kwiatkowski qui s'est fait lâcher, étonnant. Kwiatkowski qui se fasse lâcher, qui a protégé Geraint Thomas. Zakarin qui arrive là, Vandenbroek. Di Gregorio, Geoffrey Soupe, Chevrier, Boissenhagen qui arrive maintenant. Roulands, Machado qui arrive seulement maintenant aussi. Pepou, Kittel, Cavendish, voilà les sprinters qui ont eu du mal à résister. Hein. Boigny qui arrive que maintenant. Ah non, j'ai dû pas faire gaffe. Racing qui arrive avec Groenewegen. Viviani. Ouais, beaucoup de. De bons coureurs qui ont été piégés par ce vent très fort. Ouais, non, Boigny qui fait 4-1. Boigny qui a réglé le groupe, j'avais pas vu. Donc, bah, j'ai tenté d'y aller avec Spilak. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, mais ça a pas marché. Top. Ça aurait été un essai pour essayer de reprendre du temps à Geraint Thomas. On va voir, ça va se jouer dans un très court instant quand je vous ai montré les résultats lors du contre-la-montre entre les deux coureurs, entre le Zakarin et Geraint Thomas. Donc belle victoire de Jonathan Hiver devant Oscar Gatto, Cyril Gauthier, Nasser Bouani et Michael Matthews. Noté 6ème place de Navarro-Doskas. Edward Tuns qui fait 10ème. Bien joué à lui. Donc on va aller voir s'il y a des changements au classement général. Et donc on dirait que non. Zakarin qui se retrouve 11ème parce que Machado recule à la 14ème place avec qu'il a été lâché. Voilà. Thibaut Pinot qui a perdu énormément de temps tout comme Tony Martin, on voit 8 minutes hein, presque pour ces coureurs qui se sont fait lâcher. Ça fait tarif quand même. Hein. Francis Moret qui était pas mal classé, voilà, qui s'est pris 12 minutes. Enfin, pas mal. C'était un peu mieux que ça, quoi. Donc voilà, bah sur ce, moi je vous dis, je vais juste vous montrer le classement par points pour voir qui c'est qui le remporte. Et ce sera Michal Kwiatkowski. Voilà, j'ai pas réussi à marquer un point avec Spilak, donc Kwiatkowski récupérera ce maillot. Bah, bien joué à lui. Hein. C'est pas très grave, nous ce qui nous importe c'est le maillot jaune. Donc on se retrouve tout de suite et pour ce contre-la-montre avec le je pense le Col d'Aise, hein, ici. Donc je vous prendrai pour les 20-25 derniers coureurs peut-être. Donc sur ce je vous dis à tout de suite. Et donc je vous retrouve au départ de... Attendez, voilà, Jürgen Vandenbroek, le 17ème, donc je vous montre à part les 17 derniers. Et au moment aussi où Michael Morkov vient d'arriver et se classer 4ème de ce chrono. Donc j'ai établi une stratégie pour ce chrono, c'est partir faire un départ lent pour tout donner dans la bosse. Hein. Et ainsi, alors que Vandenbroek moins 3, ça c'est pas cool. Et ainsi, pouvoir profiter de cette bosse pour faire des écarts justement. On va voir si Tchernitsky avec son plus 5 va pouvoir faire un bon chrono. Je pense que j'ai un peu trop ralenti avec Tchernitsky. Pour accélérer avec Fourcade 9, clairement. Tchernitsky, là, il faut aller à bloc. Je vais finir avec de la barre verte, même, je pense. Et voilà, Tchernitsky fait le meilleur temps avec 1 minute d'avance sur De Gendt. Donc, c'est peut-être de bonne augure pour le contre-la-montre.
de Spilak, donc on va mettre un petit x2 quand même, hein. Sinon on va un peu s'ennuyer. Alors que Thiago Machado est sur la rampe de lancement, moins 2, ça c'est pas cool aussi, c'est pas grave. Je préfère avoir plus 5 avec Spilak, hein, autant vous le dire, alors que là on peut accélérer un peu Vorganov. Quoique, là c'est 70 pour l'instant. Navardauskas qui s'élance. Encore lituanien, il me semble, désolé, plugin si je me trompe. Plugin fervent supporter de la Cannondale Pro Team. Alors que Zakarin va s'élancer dans un très court instant. Voilà, Zakarin qui est sur la rampe de départ. Allez, Zakarin, plus 2, ok. Ce serait bien si Spilak avait la même note. Il faut prier, clairement, là, il faut prier pour Spilak. Vorganov 5ème à 1.30, ça me paraît pas mal, hein, que sa note en contre la montre. Alors que c'est parti, on peut y aller avec Vandenbroucke à 70. Machado, lui, n'est pas encore tout à fait arrivé. Donc Vandenbroucke qui va se lancer dans, dans ce col d'Aise. Le champion de Belgique du contre la montre, bien sûr. Jürgen. Hop, c'est parti pour Machado aussi, il est au pied. Spilak, il est un peu plus loin encore. Alors que Jürgen Vandenbroucke passe 66ème à 1 minute. Mais c'est pas très grave, on va voir qui c'est qui a le meilleur temps. C'est Tony Martin, le meilleur temps au premier point intermédiaire. Alors que Tom Dumoulin s'élance, ça va être au tour de Michal Kwiatkowski. Donc Tom Dumoulin, bien évidemment, grand favori, hein, de ce contre-la-montre. Ils sont 79 en montagne, 118 en vallon, 82 en contre-la-montre. Hein, et... bien sûr, c'est le l'immense favori. Alors que là, on va arriver pour la bataille pour la victoire avec Costa. Costa qui est sans doute bah, qui est le moins bon coureur de contre-la-montre, mais on sait jamais. Hein. Sur une bonne journée, une excellente journée de Rui Costa, il peut tout faire. Et là, ça va être le départ de Spilak. Guerin Thomas qui est parti. Spilak qui va s'élancer. Il faut prier pour avoir une bonne note, moins 1. Moins 1 que c'est pas très très cool, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire malgré tout. Vandenbroucke qui est passé 10ème à 1.20. D'accord. Donc on va pouvoir le baisser un peu. Mais son moins 3 l'handicap un peu. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. Hop. Cernet qui ouais. Machado qui passe 3ème à 56 secondes. Attention, Zakarin qui arrive à ce pointage. Il est passé 15ème à 24 secondes. Au premier pointage, on va pouvoir remettre x2. Machado, il faut baisser un peu. Là pour la descente. Zakarin qui va arriver. On va plutôt surveiller Spilak qui arrive bientôt au pied de cette ascension. Allez, Spilak, il faut le faire. Alors que là, on peut accélérer pour Vandenbroucke. Hop, c'est parti pour Spilak. Parti pour Spilak. Vandenbroucke qui va sur le plat, on peut encore accélérer. Hein. Là, on peut accélérer pour Markov aussi. Zakarin qui arrive. Et je pense qu'on peut laisser à 70 pour Zakarin. On va voir. On va voir, on va essayer de faire de Zakarin un peu notre cobaye, on va dire. Thiago Machado qui passait 10ème à 54 secondes. Oh, ou alors que là, il y a un... quelques bugs graphiques. Je comprends pas ce qui se passe. Ouais, 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 clairement. On peut dire à Zakarin de rester à 70. Là, on va finir dans, comme un boulet de canon avec Jürgen. Allez, Jürgen Vandenbroucke, on y croit. Jürgen Vandenbroucke, 10ème à 1.39 de son coéquipier. Tcherneski, toujours, ouais, exact. Attention, Spilak. Spilak qui est passé 33ème à 48 secondes. Guerin Thomas, pas si bien que ça. 12ème à 23 secondes. Hein. Pas si bien que ça pour. Le coureur britannique, alors que Zakarin a chippé le meilleur temps au troisième pointage à Sergei Tchernetsky. Peut-être le meilleur temps pour Zakarin avec son plus 2. Peut-être la victoire d'étape. Pour que Spilak continue son avance dans ce. Dans ce col d'Aise, excusez-moi pour ça. À Machado qui a pas eu assez de force sur la fin. Désolé pour Thiago. Qui a quand même faire un bon chrono, je pense, 12ème à 1.49, voilà. Attention, Zakarin qui revient sur Cyril Gauthier, mais c'est tout à fait normal. Attention, Spilak. Guerin Thomas qui va arriver à ce pointage intermédiaire. Attention, là, ça va être un pointage clé. Zakarin qui arrive dans la dernière ligne droite, qui largue Cyril Gauthier, qui Cyril Gauthier qui est totalement planté, il n'y a aucun autre mot. C'est parti pour Zakarin qui finit en trombe. Zakarin sera in et c'est le deuxième temps à 6 secondes de Tcherneski. Tcherneski qui a un peu mieux fini, hein, qui a profité de son plus 5. Ok, Spilak 3ème à 30 secondes. Ok, 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 ok. On va voir comment ça se déroule dans cette descente. Alors que combien a fait Tom Dumoulin? Allons voir ça tout de suite. Ouais, Tom Dumoulin 3ème à 8 secondes. Tom Dumoulin qui risque de remporter ce chrono, hein, je pense. De son côté, Guerin Thomas 17ème à 1.13. Guerin Thomas 17ème à 1.13. Ça me paraît bien parti. Ça me paraît bien parti pour remporter Paris-Nice. Guerin Thomas qui ne fait pas un excellent chrono, hein, qui est battu par Rui Costa tout simplement.
On va aller voir où en finissent les derniers. On se met en F1 pour la fin, bien évidemment. Tony Galopin qui finit 5ème à 59 secondes. Très bon chrono. Toujours un doublé. Katiusha pour l'instant. Kyle Norman qui s'est rapproché à 58 secondes comme Tony Martin. Mais il y a un assez gros écart. Est-ce que Alejandro Valverde va pouvoir réduire l'écart? Rien n'est moins sûr. Voilà, 51 secondes. 3ème place pour Alejandro Valverde. Mais celui qui me fait peur, c'est lui. C'est Tom Dumoulin qui arrive et qui, à mon avis, va battre les deux coureurs russes de Katiusha. Et non, 3ème à 22 secondes. Sensation pour Tom Dumoulin, alors que Spilak qui passait 6ème à 20 secondes, toujours 29 secondes d'avance sur Geraint Thomas au pointage intermédiaire. Voir comment arrive TJ Van Der Noren. D'avoir Katowski 4ème à 42 secondes. Et oui, étonnant, Tom Dumoulin qui échoue à 22 secondes, peut-être un doublé Katiusha. On sait très bien que l'IA a du mal à gérer souvent ses contre-montres en montagne ou vallonné. Donc peut-être un doublé pour la Katiusha. TJ Van Der Noren qui prend la 5ème place. Rui Costa qui arrive, on va pouvoir accélérer un peu avec Spilak. Sur Rui Costa qui arrive sur la ligne de chronométrage. Et il s'agit du 10ème temps à 1 minute tout pile, donc des chronos assez resserrés. Même si devant il y a un petit écart de 20 secondes avec les coureurs de Katiusha, alors que Geraint Thomas sprint, il a l'air un peu à l'agonie, le coureur britannique qui a du mal à finir ce Paris-Nice. On va pouvoir finir en trombe. Geraint Thomas qui fait seulement le 15ème temps, qui n'était pas dans une bonne journée, certainement, Geraint Thomas. Et Spilak qui arrive, Spilak qui va gagner. Paris-Nice est fait. Spilak qui finit 4ème de ce contre-la-montre et qui remporte Paris-Nice devant Rui Costa, je pense. Je pense que Rui Costa va dépasser même Geraint Thomas. On va voir ça dans un instant. Donc, beau doublé, Katiusha, 3 Katiusha en 4 premiers. Tcherniski devant Zakarin. Dumoulin, Spilak, Katowski, TJ Van Der Noren, Alejandro Valverde, Kelder Mann et Tony Martin qui termine 9ème. Et voilà, Spilak qui emporte 56 secondes devant Geraint Thomas. Geraint Thomas qui conserve une seconde d'avance sur Rui Costa, incroyable. Van Der Noren finit 4ème, 5ème Katowski, 6ème Dumoulin qui n'aura finalement pas réussi à doubler aucun des deux qui le précédaient. Alejandro Valverde 7ème, 8ème Tony Galopin, 9ème Luis Emmanuel Sanchez et 10ème Wilco Kelderman. Ouh, finalement Kwiatkowski qui finit à égalité de points avec Spilak. Je pensais pas que le contre-la-montre comptait dans les points. Bah voilà, bah quand même maillot vert pour Kwiatkowski, bien joué à lui. Dumoulin qui aurait pu espérer ce maillot du coup avec le contre-la-montre et qui finalement ne finit que 3ème. Au classement de la montagne, voilà, beau maillot à poids pour Thiago Machado, bien joué à lui. Et enfin, avant, meilleur jeune, Wilco Kelderman, bien évidemment, c'est pas étonnant, ce n'est pas une surprise, le jeune espoir néerlandais. Et c'est la Katiusha qui remporte largement le classement par équipe. Donc, un beau classement par équipe pour notre équipe. Donc on va juste aller voir combien finissent, par exemple, la belle victoire de Tchernetsky. Donc on va voir Zakarin qui échoue, il était trop loin, hein. 1 minute 10 du top 10, Machado 12ème, donc on fait 11-12, 17ème... Jürgen Vandenbroek qui aurait été un peu décevant sur son contre-la-montre, mais sans doute handicapé par son moins 3. Donc bah, bilan de ce Paris-Nice, classement par équipe, parce que c'est ça qui compte le plus avant la victoire individuelle. Classement général avec Simon Spilak. Je pensais que j'allais me faire doubler par Geraint Thomas sur le dernier contre-la-montre, mais il s'en est pas passé ainsi, donc tant mieux. Donc voilà, première grosse victoire cette saison pour le team Katiusha. Maillot à poids pour Thiago Machado, donc une belle réussite encore une fois, hein, avec une belle victoire d'étape à la clé, donc 4 victoires d'étape sur les 8 je pense pour la Katiusha, on va regarder ça. Tcherniski sur cette étape, précédente étape c'est pas la Katiusha, Machado sur la 6ème étape, Zakarin sur la 4ème étape, et la team Katiusha qui avait remporté le classement par équipe, donc c'est sa 4 victoires d'étape en 4 victoires d'étape, donc on a remporté la moitié des étapes, ce qui est vraiment pas mal. Donc la team Katiusha qui arrivait en grande force sur ce Paris-Nice. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour Tirreno Adriatico, donc qui va suivre, même si moi je le joue en même temps, je vais pas vous spoiler, hein, qui va arriver après Paris-Nice. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas surtout le pouce bleu pour cette belle victoire de Simon Spilak. Et ciao tout le monde, à bientôt.